là, ouais, pas mal de jus et une plongée assez difficile. Quand il y a du courant, c'est jamais facile. L'eau me porte, c'est pas moi qui évolue dedans, c'est elle qui me fait évoluer. Donc c'est l'inverse de ce que je fais d'habitude, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Un petit canal avec un courant et dans le contre-courant qu'il y a là, et il y a un beau paquet de silures, on va aller voir ça tout de suite. If you ain't got the answer, if you don't know the truth, if you want the power, then let it flow through. Would you let it go? Une fois n'est pas coutume, je vais plonger dans un étang, dans un endroit privé. Donc ça va bien me changer parce que ici les poissons voient des plongeurs toute l'année. Une ancienne carrière de cailloux. La position est un peu bizarre, mais on va aller voir ça sous l'eau. Je pense que ça vaut le coup. Thank you.
petite koi qui a toutes les couleurs là, elle est aveugle. Elle a les deux yeux bouchés. Un petit lac privé, ça change, les poissons sont pas farouches, il n'y a pas beaucoup d'espèces par contre. Il y a de très beaux spécimens, il y a des carpes koi, il y en a une toute blanche là qui est assez photogénique, hein. Une autre orange qui est juste à côté là, et beaucoup de rotangles là, on les voit tout autour de moi. Et ouais, c'est bien joli, ouais. Ça manque un peu de brochet, mais...